Bonsoir, bienvenue. Alors ici c'est le co-living La Casa Verte, c'est où on vit. Donc là en fait on est dans ma chambre. Donc dans la casa on a quand même tous un espace à nous, une chambre. Voilà, donc je peux vous montrer. Moi j'ai une chambre qui est au premier étage. Ce qui me permet d'avoir une super vue sur le jardin et beaucoup de lumière. Et donc voilà, donc on a tous notre espace, un petit bureau pour travailler. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'on a toilette, salle de bain dans la chambre, chacun. Il y a 5 chambres en bas, 3 chambres à ce niveau-là et 5 chambres en haut. On paye 900 euros de loyer, mais en fait c'est pas juste le loyer, c'est vraiment tout est compris. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. On a la box, on a Netflix, des paniers bio qui sont livrés toutes les semaines. On a une serre connectée parce qu'on est dans la Casa Verte et que la thématique de la Casa Verte c'est la permaculture. Et donc dans chaque maison il y a une thématique et nous on a la chance d'avoir une serre et des cours de permaculture en ligne qui nous permettent d'en apprendre un peu plus. On va avoir des ruches. Le co-living c'est de la colocation. Simplement, ça se passe dans des maisons qui sont faites pour. Toutes les chambres ont leur salle de bain, par exemple. Et on crée vraiment des communautés de gens qui ont quelque chose en commun, qui vont partager une vie commune, et dans laquelle on apporte beaucoup de services. Et donc, tout est compris, on s'occupe des abonnements. Il y a un fonds de course qui est livré tous les mois. Il y a un dîner à partager tous les 15 jours. Donc, c'est ce qu'on appelle le co-living, qui est de la colocation gérée et améliorée. En fait, j'ai eu l'habitude plus ou moins de vivre à Paris dans des petites colocs, certes, mais les appartements n'étaient pas pensés pour vivre à 4 ou 5. Et là, ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'on a des grands espaces communs qui sont étudiés pour que 13 personnes puissent vivre sans se marcher dessus. Ça fait vraiment la différence et c'est beaucoup plus agréable au quotidien. La serre, ça m'intéresse parce qu'on fait des projets communs où on se demande ce qu'on va planter, on réapprend à utiliser la terre, à l'entretenir, à savoir comment marchent des mini-écosystèmes finalement. Et c'est hyper intéressant de pouvoir à Paris de goûter à la vie parisienne et en même temps de reconnecter un peu avec ces manières de produire. Donc ça va, c'est des gens qui cherchent à la fois un logement confortable à Paris, mais aussi à partager des expériences dans des communautés qui leur ressemblent. Et donc chez nous, ça passe par un process de recrutement de fondateurs qui vont coopter les gens avec qui ils vont vivre, et puis par un thème de la maison qui rapproche les résidents et autour duquel nous, on propose des animations. On profite de grands espaces, on profite d'un budget amoindri pour pouvoir vivre au quotidien, mais par contre, il faut faire quelques concessions sur des choses assez banales finalement, comme la musique, le choix de la musique, le choix de ce qu'on mange, le choix de quand est-ce qu'il faut faire des repas ou des apéros par exemple avec plusieurs personnes, quand est-ce qu'on les fait, à quelle heure, jusqu'à quelle heure. Donc il y a des petites concessions à faire sur ces choses-là, mais finalement on s'y retrouve très très bien à la fin, on s'accorde vite ensemble. On trouve des gens qui ont des profils totalement différents et au final, l'expérience est sympa. Quoi. On peut avoir 20, 40 ans et se retrouver sur des idées différentes.